Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour le mois de décembre. Alors j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre sympathie. On fait la petite coupe ensemble ici et après on passe sur la table. Alors j'en profite pour vous dire en avance de passer de très très belles fêtes de fin d'année puisque ben voilà, il y a des personnes qui vont regarder ce tirage en décembre, d'autres qui vont le regarder un petit peu avant. Les Sagittaires, quel signe? Quel tirage que j'avais fait pour vous, le tirage spirituel. Alors, nous avons ici, avec l'oracle du bonheur, la tranquillité qui a sauté et la saison. Alors, je me souviens d'une petite anecdote avec ce jeu où j'avais du mal à comprendre l'idée de saison. Alors, bien sûr, la saison, je comprends, mais pour l'interprétation, ça me parle de cycle en fait. Donc, dans le côté positif, vous allez travailler, œuvrer pour regagner en tranquillité, tranquillité d'esprit, oui, tranquillité de votre psyché, tranquillité aussi, ça peut nous parler qu'il y ait l'idée d'un ralentissement de certaines activités. Je pense peut-être aux travailleurs indépendants qui peuvent être un petit peu plus cool. Ça peut être aussi tout mettre en œuvre pour pouvoir se sentir un petit peu plus léger et un petit peu plus tranquille. Et je trouve que les Sagittaires, vous êtes un signe bah, vraiment intrigant, avec beaucoup de projets, beaucoup de choses en tête. Projet, on le prend en sens large. Vous êtes visionnaire, vous regardez vers l'avenir ici dans le sens, il faut construire. Et il y a peut-être l'envie aussi de penser à soi. Et ça, c'est important parce que, ben, je l'ai dit la fois dernière, désolée si je me répète, hein, il y a toujours l'envie d'aider les autres, de les faire élever. Mais qui vous êtes, vous? Qui vous permet de vous tranquilliser, de respirer, de souffler? Ben, ça viendra de vous. Peut-être que tout est cyclique, mais dans ce cycle, bah vous pouvez vous dire, bah allez, je prends soin de moi, je me pose et je respire. On va voir comment ressort le tirage de suite avec les cartes. Les Sagittaires, pour ce mois de décembre, je vous ai mis une petite musique, j'espère qu'elle va vous plaire. J'ai posé toutes les cartes, sauf la partie sentimentale et relationnelle. Je vais voir comment je vais l'imbriquer ici dans vos énergies. Alors, si je lis bêtement, on va dire, les oracles et le tarot, on peut avoir, voilà, je mets tout sur la table et après on va aller chercher les énergies en profondeur. On peut avoir quelque chose à régler par rapport au passé ici et une décision à prendre. On peut avoir, hein, vous pourriez avoir les Sagittaires à travailler quelque chose d'ordre émotionnel, mais c'est positif parce qu'il va y avoir ici l'idée de dépasser quelque chose. Et même si vous pourriez vous sentir dans une certaine inertie, de se dire, bah, tiens, j'ai du mal à me décider, j'ai du mal à aller de l'avant, ben, parfois ça arrive. Toute confusion permet la réorganisation. Et ça, c'est bien, c'est que vous allez pouvoir, on va dire, mettre les cartes sur table, façon de parler, et de pouvoir faire une mise au point avec vous-même, puisque c'est ce que vous voulez finalement avec la lune ici, voir clair, passer de l'ombre à la lumière, et que les choses soient claires, et on sait dans quel sens aller, on sait dans quelle direction. Et dans ce cas-là, l'équilibre reviendra. Du coup, le retour vous invite à revenir en arrière, à moins qu'il y ait quelque chose avec ce passé à régler. Hein, tout ça, je vais y revenir de façon dissociée. Il y aura d'autres éléments aussi qui vont venir au fur et à mesure. Et on peut parler de projet, de commencement, de naissance, ou de quelque chose en lien avec la justice pour certains, ou l'administration. L'administratif, voilà, ça sera plus adéquat, je pense, qui va pouvoir commencer. Ça peut être des démarches ici. Et pour moi, j'ai quelque chose de positif par rapport à un travail, mais aussi par rapport à des finances. Je vais y revenir après avec ces deux petites cartes bleues. Bah, après, il y aura des choses à ranger aussi, mais voilà un petit peu l'aspect général de ce mois de décembre. C'est l'idée d'avancer, de trouver un rythme adéquat pour vous. Et même si ben, la tranquillité, vous vous souvenez au début avec la coupe, la tranquillité de ce jeu-là,
nous parler d'une énergie paisible, tranquille, bah ça c'est positif, lâcher prise entre guillemets. Ce qui est négatif, c'est qu'il peut y avoir des énergies un petit peu latentes. Mais voilà, avec les saisons, on parle de quelque chose qui sont cycliques, enfin de quelque chose qui est cyclique, pardon. Du coup, ça va pouvoir rentrer dans l'ordre. Voilà, les choses vont pouvoir se décanter, mais parfois ça bug, ça bloque. C'est pas grave. Ah bon, allez, vous êtes positif, hein, et positive les Sagittaires. Donc je compte sur vous pour pas perdre le fil pour ce mois de décembre. Allez, on commence ici avec cette énergie du valet d'épée qui nous parle de commencement au niveau de la communication. Ça va représenter aussi de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouvelles projections. Et ce qui est positif d'ailleurs, c'est cette carte-là que je l'ai placée là, c'est de pouvoir, je dis pas mettre toutes vos peurs et vos craintes aux oubliettes. Ben non, parce que simplement l'humain est fait de peur, de crainte, de remise en question. L'humain cherche un sens à sa vie. Et en fait, c'est comme si il y avait, je sais pas, quelque chose qui était trop calme dans votre vie. Vous vous dites, bah tiens, j'ai envie de rajouter des paillettes, j'ai envie de partir sur un nouveau projet, j'ai envie de changer quelque chose, j'ai envie de m'améliorer sur quelque chose. Et là, ben, il n'y a plus de peur, parce que derrière tout ça, il y a cette curiosité, cette confiance aussi, cette insouciance du valet d'épée pour vous dire, allez, on va de l'avant et on verra ce que ça donne. Il y a tout à construire, mais c'est pas grave. Il s'agit bien d'être dans un commencement. Hein, il y a bien un nouveau départ. Alors, c'est imagé, hein. Quand je dis nouveau départ, c'est cette notion de peut-être de nouvelles pensées, de nouvelles aspirations. Et oui, ce que vous souhaitez ici, c'est de dépasser la lune. Elle n'est pas que négative, la lune. Elle nous parle de vos émotions. Et quand c'est flou et quand c'est nébuleux, là, c'est votre objectif. Vous avez ce besoin, cette envie d'y voir clair, de mettre les choses au clair, pour pouvoir vous dire, bon, allez, je me décide ou pas? J'y vais ou pas? Alors, peu importe le domaine pour l'instant, les Sagittaires, dans votre tirage ici, la Lune, elle va aussi nous parler d'autre chose. C'est tout ce qui peut être créatif. On peut parler aussi bah, du passé. Parfois, c'est pas genre une phrase qui peut faire bien dans un titre, hein. Ça peut être cette notion de... Bah oui, de quelque chose qui devra être réglé avec le passé, mais ça peut être avec soi-même, vous voyez, c'est un schéma, peut-être un schéma en lien avec votre passé, votre enfance, votre adolescence, peu importe, ou de ce qui s'est passé il y a X mois. Il peut être question, puisqu'on a deux fois le passé ici, de pouvoir ramener une justice, justice divine, justice divine, mais surtout un équilibre avec vous-même. Voilà, parce que quand je dis justice divine, c'est pas cette idée de se dire, bah tiens, le retour du bâton par rapport à telle personne. Non, je vous sens pas dans l'animosité. Pour moi, vous valez mieux que ça. Et vous êtes ici dans une énergie de, ok, les choses se réajustent. Les équilibres se posent. Enfin, les cartes, enfin, les énergies se posent, pardon. Et l'équilibre va pouvoir s'établir. Voilà, il y a un nouvel ordre dans votre psyché, dans votre organisation, dans votre manière de penser. Il peut y avoir un attrait ici, peut-être professionnellement parlant pour un domaine créatif ou en lien avec l'émotionnel. J'ai des Sagittaires qui vont créer des choses avec, parce qu'on a Vénus ici qui nous parle de création, peut-être de tout ce qui est en lien avec... l'artistique, mais ça peut être aussi l'idée de pas pour tout le monde, mais de faire un travail sur la psychologie, sur une thérapie, la lune, à moins que vous partiez dans ce domaine-là. Tiens, je veux me former pour être thérapeute pour les enfants, c'est un exemple, hein. Je veux me former, voilà, pour aider les gens, c'est possible. La lune, elle peut faire peur, c'est vrai, mais elle est très bien placée dans votre jeu parce que si vous êtes Sagittaire et que vous vous dites,
Bon, allez, il y a un petit truc à arranger dans ma tête, là, ou un schéma qui revient. Bah, dans ce cas-là, ouais, vous avez la poigne, l'action de vous dire, allez, je retrousse mes manches, j'y vais, je vais pas me laisser morfondre. Vous voyez, il y a une forme de force ici. J'aime beaucoup le valet d'épée, même si les cartes de cour, moi, elles me saoulent, hein, je vous le dis. Mais ce valet d'épée, il est curieux. Il se dit, bah tiens, j'ai une nouvelle pensée, j'ai une nouvelle idée, il n'y a plus qu'à. Mais il y a tout un cheminement à avoir ici. Donc, je dirais que vous ne vous précipitez pas à prendre une décision, vous posez les cartes sur la table, vous regardez la réalité en face, que ce soit avec vous, dans vos objectifs, ou que ce soit vis-à-vis d'une personne ici. Le 2 nous parle quand même de trouver un équilibre, même s'il y a une décision à prendre. Alors, donc ça c'était pour la petite lecture au niveau de psyché, spirituel, hein. D'ailleurs, j'ai placé aussi cette carte-là. L'as de coupe dans le domaine spirituel, on peut avoir la joie, la réjouissance, mais comme c'est un as, on parle de commencement. De commencement, de départ, de nouveau cap, de nouvelle vie. Ouais, c'est une métaphore pour dire qu'il y a une nouvelle énergie, les Sagittaires. Quelque chose qui vous bosse. Alors attendez, j'ai mixé deux mots. Quelque chose qui vous botte, quelque chose qui vous booste. Voilà, ça c'est dit. Donc, finalement, ces cartes-là, le retour. Ça veut dire revenir en arrière pour retrouver une nouvelle énergie. Ok, avancer, ok, mais avancer d'une manière tranquille. Ça bouge, mais ça bouge d'une façon raisonnée et raisonnable. Et ça, j'aime bien et je vous l'envoie vraiment les Sagittaires parce que vous êtes toujours à fond. Moi, je vous admire beaucoup, j'adore votre signe. Mais là, vous dites, ok, on avance. Mais on prend en compte peut-être les erreurs du passé. On avance, mais on fait attention à comment on avance. Et c'est ça qui est important dans votre jeu. Bon, j'ai un petit peu la rigolade, mais j'aime bien votre signe parce qu'à chaque fois, je vous dis, oh là là, vous êtes à fond, attention, vous allez trop vite. Ben là, en fait, c'est comme si, par rapport à une situation, par rapport à vous-même, les Sagittaires, ou par rapport à une personne, vous dites, bon ben là ça va quoi, je prends en compte les erreurs du passé, j'avance plus tranquillement mais j'avance. C'est le principal d'avancer. Très joli message. Alors, si on parle d'une situation avec un enfant, il peut y avoir cette notion de choix à faire. Pour moi, ça me parle d'un choix scolaire. Voilà, c'est dans le cadre où vous êtes ici avec des enfants adolescents ou plus jeunes. Après, vous pourriez avoir un enfant plus âgé qui voudrait partir de son travail parce que ben, il se sent capable, il se sent pousser des ailes, il voudrait faire autre chose simplement. Voilà pourquoi on peut avoir l'éloignement sur le domaine professionnel ou au niveau d'une école. Alors j'ai peut-être un soutien qui ressort pour un enfant qui a besoin de soutien, quel que soit ce soutien-là. Voilà, on est dans la période de l'hiver, enfin on y entre. Et bah, il peut y avoir la fatigue, des remises en question. C'est comme si vous pourriez amener votre aide pour un enfant. Peut-être aussi lui permettre de prendre une décision ou une nouvelle direction d'ordre professionnel ou au niveau scolaire. Donc ça, c'est dit. Maintenant, je vais venir sur votre énergie financière. Et après, on parlera du professionnel, on parlera une petite carte de la santé, on parlera du relationnel. Amis, famille, amour. Alors, ici sur le plan financier, on a la roue de fortune. La roue de fortune nous parle ici, bah, c'est une énergie qui est assez positive. Elle nous dit ça bouge, ça, il y a des énergies qui se décantent. On peut avoir cette notion de cycle finalement. Il y a une redondance avec l'énergie du cycle. Puisqu'on a eu la carte des saisons avec ce jeu-là, et là on a la roue karmique, ça peut me parler d'apprendre quelque chose sur le plan financier vis-à-vis d'une personne. Et là pour le coup ça me parle de justice divine. On le prend comme on le veut, ce n'est que général, etc. Vous connaissez l'histoire. Comme je vous ai dit, moi je maintiens que vous ne souhaitez pas le mal à quelqu'un d'autre. Après, si ça vous fait plaisir d'apprendre quelque chose, voilà, comme ça, ben, écoutez, prenez. Maintenant, j'ai une situation où vous apprenez quelque chose de financier vis-à-vis d'une personne.
Ça peut être une personne qui met en route un projet, une personne qui peut galérer sur le plan financier. Est-ce que vous pourriez lui apporter de l'aide également? Ça, c'est possible. Je reviens à nos cartes et uniquement pour vous maintenant les Sagittaires. Il peut y avoir quelque chose qui est en route ici sur le plan administratif, puisqu'on a la graine qui nous parle de commencement, de départ, et on a la justice ici. Mais bon, Mercure rentre en rétrograde le 26 du mois de novembre. Je ne sais pas combien de temps il y reste. Bon, à peu près, c'est un mois à chaque fois. Donc, au mois de décembre, on aura encore Mercure en rétrograde. Des choses qui un petit peu sont ralenties. Et c'est pour ça qu'on peut avoir aussi nos lointains. Quelque chose qui a du mal à venir comme nouvelle et comme démarche. Donc, pour résumer le plan financier, ça ne veut pas dire que c'est chaotique, non, ça veut dire que ça rame un petit peu. Mais que derrière tout ça, même pas peur. Au contraire, il y a de la confiance. Et puis, il y a cette notion de se dire, bah, on fait avec. Et puis voilà, chaque chose en son temps, chaque chose à son rythme. Alors, si on parle de justice, pension alimentaire, quelque chose comme ça, je pense que la balle est dans votre camp, les Sagittaires, mais la personne en face, votre mari ou votre femme, va quand même avoir du répondant. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps de demander à la JAF la régularisation et que les choses s'établissent. Mais voilà, derrière, on a cette notion de confiance derrière tout ça. Donc ça, je m'en fais pas sur une notion de pension alimentaire. Pour moi, la balle est dans votre camp. Alors, si on prend ici le domaine professionnel, l'impératrice qui est pleine de projets, qui va laisser le temps, la gestation, les choses s'établir. L'éloignement ici, je sens bien parce que c'est plutôt l'idée de se distancer et peut-être d'une certaine pression. Parce que la lune, c'est ce dont vous souhaitez travailler, les Sagittaires. Les peurs, les craintes, les doutes. Et dans vos atouts, vous avez l'idée de confiance. Hein, votre atout ici, c'est pas être dans des peurs, c'est de pas vous laisser, on va dire, embêter par de mauvaises pensées. Non, si je la place en positif et dans vos atouts, il y a vraiment l'idée de se dire, bon allez, ouh, confiance. Je dis pas confiance absolue, ça serait mentir, mais je fais confiance à la vie, ainsi va la vie. De toute façon, à quoi bon? Donc, il y a une forme de distance par rapport à une attente. Vous laissez en fait les choses se faire. L'impératrice, qui nous parle de plaisir aussi, de charme, de séduction, de magnétisme, c'est une énergie qu'on peut retrouver dans le cadre professionnel pour certains d'entre vous. Si je prends l'exemple d'un entretien, puisqu'on a la graine ici, ben, bien sûr, vous allez aller à cet entretien d'une manière la plus positive qui vous représente. Vous allez bien vous habiller, vous allez bien parler, vous allez mettre en avant vos ressources. Et pour moi, j'ai quelque chose vraiment de confiant derrière tout ça. Mais c'est comme si la réponse, elle n'allait pas être donnée de suite. Mais en même temps, c'est pas grave, on vous le dit et vous le savez. Donc, on peut aussi retrouver un certain engouement pour tout ce qui est projet, les Sagittaires, avec cette notion de plaisir. Alors, ici, sur le plan de la santé, ce n'est que général, vous parlez si ça vous parle. Alors, on a la fin de céphalée, on a la fin d'une problématique, on a la fin de maux de tête, donc ça, c'est très bien. Le cercueil, il vous pousse aussi à aller en profondeur dans vos mémoires, dans, je sais pas moi, dans votre énergie, votre psychologie, votre psyché. Et si je parle de ça, c'est parce qu'on a la lune ici qui pourrait nous parler de thérapie, voilà. Après, tout le monde n'est pas en thérapie, mais il peut y avoir un attrait à se faire aider pour retrouver aussi un équilibre. Mais je pense que les Sagittaires vont se dire, est-ce que j'appelle? Je n'appelle pas. Est-ce que oui, mais vous voyez, ben, je vous vois passer à l'action quand même. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'y aller toutes les semaines. Hein. C'est vous qui jaugez. Hein. On n'a pas à vous dire, allez, la semaine prochaine, on se refait un rendez-vous. Franchement, non, c'est vous qui voyez. Ne vous sentez pas piégé par rapport au rendez-vous qu'on vous propose. Hein. Vous pouvez dire non comme vous souhaitez. Moi, ça me rappelle
il y a X années, vraiment ça date de plus de 10 ans, quand je voyais quelqu'un pour me faire épauler, à chaque fois le thérapeute, ah bon, on se revoit dans 2 semaines, eh bien à chaque fois je me sentais obligée d'y aller en fait, mais à chaque fois bah, c'était payant, forcément. Ben non, au bout d'un moment je dis ben non, on se verra dans 1 mois et demi, parce que là j'ai envie de laisser poser les énergies, et puis même au niveau des finances, c'est pas toujours évident. Donc ne vous sentez pas piégé par rapport à ça. Ok, le valet d'épée, il peut être un petit peu tranchant, mais votre but, c'est pas de blesser, c'est de dire aussi d'une façon un petit peu radicale, d'une façon légère, ce qui est bon pour vous. Donc ça, c'est dit. Alors, on se retrouve ici avec les énergies relationnelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ici pour la famille? On a la fin d'une situation. Je me sers bien sûr du tirage qui est ici. Ça peut être la fin de quelque chose en lien avec la justice. Si vous êtes en lien avec un héritage, une procédure, par exemple, ça peut être la fin de cette situation-là. Hein, je la mets là. Ça peut être la fin d'un conflit. Ça peut être la fin d'un doute. Et il y a cette notion de transition avec un membre de la famille. Pour moi, la balle, elle est dans votre camp. Alors, sur le plan amical, les Sagittaires. Waouh, l'abondance! Soit vous aidez une personne, soit il y a une amitié qui est là pour vous aider, pour vous écouter, pour vous épauler. Et ça procure un sentiment de réjouissance en fait. L'abondance, c'est quand il y a aussi des choses à partager. Donc ça peut être des moments festifs, pas forcément pour les fêtes, mais les moments de retrouvailles. Voilà, on peut avoir le retour aussi d'une amitié qui revient. Alors oui, ça peut être, on se retrouve, mais par contre, on fait les choses convenablement pour ne plus être blessé. Voilà, je pense que vous êtes quand même sensible, les Sagittaires, mais vous le cachez pas mal, hein. Puis c'est comme si à vous, on ne vous demandait jamais, et comment tu vas? Et comment tu te sens? Alors, pour nos amis célibataires, partir s'affranchir. Effectivement, je pense que, regardez. Que vous avancez, ce mois de décembre, l'impératrice nous parle de séduction, de charme, etc. Mais on a un éloignement. Ça peut me dire que, et ce n'est que mon interprétation, que les sites de rencontres, ça vous saoule. Que bah, il y a besoin de faire une pause. Et on se souvient de la coupe avec ce jeu-là. Tranquillité, saison. C'est comme si vous retrouviez un temps calme en fait, parce que c'est nécessaire pour vous. Alors, pour nos amis en couple, alors on a la carte de l'homme et nous avons la carte de la fidélité. Ça nous parle de se sentir bien dans ses baskets sur le plan sentimental. On peut parler aussi de mettre les choses en lumière sur cette notion de respect ou de fidélité pour les personnes qui ont des suspicions, qui psychotent. Uniquement pour vous, hein. Si vous psychotez pas, alors ne prenez pas peur, hein. Ça me parle de confiance qui revient, d'être aligné à nouveau, de sentir bien. Et ça me parle pour les Sagittaires qui sont en couple, de repartir vraiment sur de bonnes bases. Il peut y avoir des projets aussi qui se font, des projets en commun, quels qu'ils soient, financiers, immobiliers, tout autre, mais voilà, le meilleur des projets en commun, c'est de se tenir dans la main, de regarder vers l'avenir, peu importe ce qu'on a à construire. Donc voici pour vous les Sagittaires, très chouette tirage. Je vous embrasse, passez de très belles fêtes de fin d'année et à très vite.